mais que cette fois, tout est prêt, hein? Oui, oh, c'est tout à fait mon avis, mon cher gastéropode. Ben, il manque plus que la petite Margotte. Oui, oui, mais elle ne va pas tarder, n'est-ce pas? Le cher Zébulon est parti la chercher. Mais en attendant, entraînons-nous. Oh! Hey, Flappy, vous pouvez entonner le chant de la victoire, hein? Oh, de la victoire olympique. Nous t'attendons, Tournicoton. Tu sembles bien pressé. Oui, 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 en route pour la Zébulonie. Tout est paré pour le concours olympique. Aujourd'hui, concours de saut, Tournicoton. 1, 2, 3. Oh, oh, bonjour, ma sœur Margotte. Nous t'attendons, tu sais. Quels sont les candidats? Eh ben, il y a moi. Oui, et c'est pourtant pas une épreuve de lenteur, hein? Bref, candidat numéro 1, le cher escargot Ambroise. C'est moi! Candidat numéro 2, le bonhomme Jouvence. Et moi. Candidat numéro 3. Ben voilà! Ce sont les 25e Jeux Olympiques que je vois. Ben excusez-moi, n'est-ce pas? Je vais peut-être vous paraître stupide, mais je vais vous donner à vous un petit peu plus que 25 ans, moi. Oh oui! J'ai 100 ans! Mais les Jeux Olympiques n'ont lieu que tous les 4 ans! Mais je le savais, Monsieur Brux! Eh ben, je le savais moi aussi, oh là! Mais je l'avais oublié, n'est-ce pas? J'ai tellement de choses à penser, moi, que je peux pas. Et qu'on peut commencer? Moi, j'ai un peu de fatigue et moi, j'aimerais bien aller me coucher, Oh, il faut entonner le chant olympique! S'il vous plaît, fanfare, sonnez! Voici ma gote. Sur ce coussin, les 3 médailles, bouton d'or, muguet d'argent et feuille de bronze. Oh, et voici le petit podium pour les 3 vainqueurs. Et ceci est la flamme olympique. Par mieux dire, c'est une bougie du gâteau de mon anniversaire, alors. Et voici le tremplin, n'est-ce pas? Que les jeux commencent! Je vous regarde. Je dis bonne chance à tous les 3. Bravo les champions! 1, 2, 3! Ça fait au moins 753 mètres 50. Oh, quel effort! Bravo, Ambroise! C'est à moi! Attention, la jeunesse! Attention! Comme Ambroise. Oui, 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 ça c'est vrai. Vous êtes ex aequo. Eh bien, moi je vais vous départager. Je vais aller voir de près ce qui se passe. Oh, je crois que j'ai gagné. Non, tu es aussi ex-aequo, avec le bonhomme Jouvence et Ambroise. Il faut recommencer l'épreuve. Nous y allons. Oh, 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 mais qu'a encore fait cette épouvantable bovidée? Oh, oh, excusez-moi. Votre petite planche était très fragile, vous savez. Je voyais tout le monde flotter, passer, voler dans les airs. J'ai voulu tenter de faire la même chose. Mais c'est un fait. J'ai un peu grossi.